Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans le titrologue de ce jeudi 1er septembre 2022. Du journal Fraternité Matin consacre sa une au dossier du projet d'adressage des rues du district d'Abidjan. Les rues et les places publiques porteront des noms locaux. Tu tournes à droite, tu tournes à gauche au prochain carrefour, tu reviens vers la boutique. Fini bientôt les indications à donner le tournis. Retrouvez les stratégies du district d'Abidjan pour alléger la localisation des populations dans le journal Fraternité Matin. Ouattara, Gbagbo et Bédié sont tombés d'accord sur une chose, affiche le journal Le Quotidien d'Abidjan à sa une. En tournée dans le handball, Kone Katinan a poursuivi sa croisade politique en exprimant en exclusivité dans différentes localités en évoquant les accords des trois grosses têtes de la politique ivoirienne. Retrouvez l'intégralité de son discours dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. Pour la rentrée, la Banque Populaire de Côte d'Ivoire vous donne l'occasion de bénéficier d'un prêt bancaire selon vos besoins allant de 150 000 francs CFA jusqu'à 3 millions de francs CFA et remboursable sur 12 mois. Comment faire pour en bénéficier? C'est simple, il vous faut avoir un compte chèque depuis au moins 6 mois, avoir un salaire domicilié d'au moins 6 mois pour les fonctionnaires, les agents de l'État ou salariés du secteur privé. Vite! Rendez-vous dans toutes nos agences partout en Côte d'Ivoire, muni d'une photocopie de la carte nationale d'identité, une demande de prêt du client, une attestation de travail, trois derniers bulletins de salaire, un bulletin d'assurance décès invalidité emprunteur, une facture récente CIE ou SODECI, un certificat de résidence, un schéma descriptif du lieu d'habitation du client. La Banque Populaire de Côte d'Ivoire, partout, proche de vous. Entre-temps, le journal Le Nouveau Réveil revient sur les élections législatives et sénatoriales partielles. Les grandes chances des candidats du PDCI plongés dans les élections législatives et sénatoriales partielles par le journal Le Nouveau Réveil. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com. Merci de votre aimable attention et excellent début de mois à toutes et à tous.